Voilà un an que Françoise Morazzan y se rend régulièrement au cimetière de Londine sur la tombe de son neveu. C'est lors de ses visites qu'elle s'est aperçue que le site se dégradait. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que la route s'était encore fissurée et il y avait un affaissement du terrain. D'ailleurs, même là, au niveau des escaliers, on ne peut plus passer alors que nous, à l'époque, on pouvait descendre par les escaliers. Et là, c'est récemment qu'ils ont tout bloqué. Mon inquiétude, c'est qu'il y a quand même encore des concessions qui sont en vente et utilisées et je ne voudrais pas avoir de problème sur la concession de mon neveu. Je veux le déplacer, absolument, même si on me dit que ce n'est pas la zone à risque. Ce cimetière a été construit pour 8 millions d'euros par l'ancienne municipalité. Lors de la livraison du chantier en 2013, elle a émis des réserves sur les travaux. Mais c'est un an et demi plus tard que le premier problème est apparu. En mars 2015, une partie de ce mur s'effondre. Il faut déplacer en urgence 3 caveaux et sécuriser la zone. Elle est toujours réservée aux familles concernées. La ville a demandé une expertise judiciaire, notamment pour connaître l'origine de tous ces sinistres. Aucune idée sur l'origine. On sait que quand le chantier est réceptionné avec réserve, on suppose qu'il devait y avoir déjà quelques doutes par rapport à un certain nombre de malfaçons ou pas. En tous les cas, nous, aujourd'hui, on n'a pas des conclusions de l'expert, donc on ne peut pas se prononcer. Il continue sa mission, donc qui s'étend à tout le site, hors crématorium. Et donc, on attend ses conclusions qui devraient arriver au mois de fin mai, début juin. En attendant l'avis de l'expert et d'éventuels recours judiciaires que pourrait introduire la mairie, la vente de concessions se poursuit, mais uniquement dans certains secteurs du cimetière. Et le parking d'entrée est en partie condamné.